bière aujourd'hui avec Véronique Cloutier. Allô? Allô? Oui. Mon Dieu, tu parles bien fort pour un peu d'argent. Je recommence, moi. C'est vrai. Et je trouve pas proche. Oui, t'es proche. Je suis désolé. Non, non. T'as-tu bu du café, Pierre? Oh. Rince-bouche. Oh, je sais, c'est dégueulasse. Donc... Martin Matt, il est plus du noyau. C'est rare. Il est excellent. Son haleine est excellent. Il est excellent dans son haleine. Non, il sentait pas. Est-ce que tu te regardes à la télévision, toi, là? Oui. Oui? Oui, oui, toujours. Ah oui, à chaque émission? Oui, j'enregistre à peu près tout ce que je fais. Non, non, non. Mais tu regardes tu te juges, là. Avec le son? Oui, oui, avec le son, puis je me juge. Mm-hmm. Je suis vraiment plus sévère quand, par exemple, quand je suis en entrevue. Comme là, je vais regarder ça, là, puis je vais être vraiment très mal à l'aise. Ça, là, mets-toi pas de pression, là, parce que c'est détendu. J'ai des rapports, mon chat exprès. Quand j'anime, moi, je parle beaucoup avec mes mains. Oui, oui, oui. Ben, des fois, ça peut être fatigant. J'ai eu une période où je disais toujours « alors », « alors », bien sûr aussi. Notamment. Ah oui? C'est beau, notamment. Notamment, oui. Mais ben, je vais l'essayer ce soir. C'est mon nouveau look. Qu'est-ce que tu penses d'avoir mon look? Il n'est pas pire? J'aime ça. Je trouve que tu as l'air d'un catalogue de Simons. Ah! En fait, on fait des exercices. Oui, hein? J'ai besoin de faire des étirements. On parle de résolution. Là. Est-ce qu'il y en a une que tu as déjà brisée au moment où on se parle? Bien, effectivement, absolument, bien sûr, alors, parce que j'avais pris comme résolution de plus jamais me coucher dans un lit avec un gars que je connais pas très bien, que j'ai pas au moins frenché. Ah. Et donc, on va couper, puis là, on pourra faire ça. C'est quoi la chose la plus étrange que quelqu'un t'a dit sur la rue? C'est quand on m'a demandé de faire la danse de la fureur dans l'allée des soupes à l'épicerie. Ça, c'est bizarre. Oui. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Ah, oui. Ah, oui. Dans un lit? Oh non, gars, j'ai sali le mur. Oh! Ouais, non, c'est pas grave. Tu sais, je suis affectueuse. Je pense que je suis accessible, tout ça, facile d'approche, mais je suis extrêmement dédaigneuse. La serrer la main, ça va? Oui, 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 mais j'ai toujours du Purel sur moi. Tu vrai? Oui. C'est déjà quelqu'un qui t'a dit que tu ressemblais à Julia Roberts? Non. Ben, tu vois, on a un point commun. C'est terminé pour la cuillère. Ton actualité, tes dates? Ben, il y a toujours je suis à la radio tous les midis. Oui. Les midis de Véro. Il y a le spectacle La folle Odyssée de Jacques Cartier, dont vous avez parlé il n'y a pas longtemps. Et tout le mois de février, le mois des câlins, on amasse des fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. On vend des glosses Clarins chez Jean Coutu. Je suis porte-parole. J'ai bien compris, le mois des câlins. Oui, le mois de février, c'est le mois des câlins. Est-ce que t'en veux? OK. Je pense que ça finirait bien. Ouais, OK. Comment? Au ralenti sur de la petite musique romantique. Ben oui. J'ai des rapports.